Mais avant de développer ces titres, le chef d'état-major général des armées au Burkina se prononce sur la crise entre le régiment de sécurité présidentielle et le premier ministre Isaac Zida. Le général Pingrenoma Zagré estime que la crise va bientôt trouver une solution. Les soldats du RSP ont manifesté leur mécontentement dans la nuit du lundi par des tirs en l'air dans leur caserne. Ils exigeaient la démission du premier ministre ainsi que celle de tous les autres ministres militaires du gouvernement de transition. Frédéric Étienne Bassenga a rencontré le général Pingrenoma Zagré ce matin. On l'écoute. Le mouvement d'humeur des soldats du régiment de la sécurité présidentielle dans la nuit du 29 au 30 juin dernier mobilise toujours la hiérarchie militaire. Les concertations engagées depuis hier se poursuivent toujours, mais le chef d'état-major des armées rassure, tout est mis en œuvre pour que la situation s'apaise. Nous sommes en train de poursuivre et des concertations à divers niveaux afin de préserver non seulement la cohésion au sein des forces armées nationales, mais surtout garantir les conditions afin que la transition puisse poursuivre son cours normal jusqu'au terme des prochaines échéances qui sont prévues, notamment en octobre 2015. La population doit faire confiance aux institutions de la République, oui, qui sont conscientes de leurs devoirs, de leurs responsabilités, et tout est fait pour que rien ne puisse perturber le bon déroulement du processus de la transition. Il faut rappeler que ces militaires manifestaient contre l'audition par la gendarmerie de leur chef, notamment le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly, chef du corps du RSP, et de deux autres officiers. Cette convocation de ces officiers ferait suite à une présumée tentative d'arrestation du premier ministre Zida dimanche dernier de retour de la Chine-Taïwan.